Et coucou YouTube, on se retrouve pour ce nouvel épisode de rediffusion également pour le Let's Play décoration d'intérieur. On retrouve Kurt. Kurt vient d'avoir une jolie surprise et nous aussi. On avait un courrier dans la boîte aux lettres, on allait le chercher et il y avait un colis dans son inventaire. Colis adressé à Kurt. Donc on a ouvert le colis et v'là-t-y pas qu'on y trouve un joli petit mot. Un placement de produit. Regardez le chemin de la gloire. Chez Post-Rustique, nous croyons que chaque cuisine et chaque salle de bain a besoin d'une touche Post-Rustique. Nous avons compris cela depuis longtemps et nous attendons avec impatience, ça revient au même, que le reste du monde en vienne à la même conclusion. Pourriez-vous aider Post-Rustique à accélérer ce processus en utilisant nos jolis objets décoratifs de cuisine et de salle de bain lors de vos missions de décoration d'intérieur? Permettez-nous de vous offrir un objet gratuit pour commencer. Vous trouverez un range-tasse de café concept dans l'inventaire du foyer. Nous avons donc un placement de produit à faire. Mais je trouve ça génial. Et donc, comme on est à une minute de commencer ce nouveau contrat qui est chez Levatore, et un contrat qui fait que nous devons rénover carrément l'étage. Donc on va y aller, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mettons-nous au travail. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Je croyais que t'étais parti faire ta vie ailleurs. Il a envie de se montrer, de faire coucou à YouTube aussi, lui. Petit chaton. Oh non, il a déménagé. Mais on va jamais avoir la thune. Mais c'est même pas Forgotten Hollow. Elle est beaucoup trop grosse, cette maison. Comment on va faire, ça, chaton? Lui s'en fout, il veut juste ronronner avec sa maman. Regardez comment cette petite chouquette, là. Alors, regarde-le bien, parce qu'il a déjà doublé de volume. Et bientôt, il sera un gros pépère. Et il viendra jamais avec moi. Donc, profitez-en. Je crois que je devrais le profiter aussi. J'aurai au moins ces moments-là, ad vitam aeternam, sur l'internet pour m'en souvenir de ce petit chaton. Hein? Quand je serai vieille et toute ridée, c'est-à-dire dans 2 semaines. Je me souviendrai. Oh, ce chaton, il était tellement mignon. Qu'est-ce qu'il faisait comme connerie aussi? Hein? Ah, j'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de cette tache pitette. Coucou! Là, oh là, mon garçon. Oui. Fais ton charme. T'es bien un Lannister, toi. Hein? Tu fais du charme et après, tu fais des entours les loupes. Hein? Allez. Va voir ailleurs si j'y suis, chaton, mais j'ai du boulot. Alors, on va négocier avec Caleb. Est-ce que Caleb s'est reproduit? Est-ce que Caleb est marié, peut-être, pour habiter là? Il a 2 enfants. Il travaille dans la politique. Mais la vache, en plus, en étant immortel, imagine les délires. Tu vas te présenter, tu vas ensuite frapper à la porte. Mais je vous rappelle qu'on a que 7400. J'ai oublié qu'on peut revendre les meubles. On va pouvoir retaper tout. Ça va être long. Ça va être long, hein, les enfants, moi je vous le dis. J'espère que vous allez apprécier ce long stream, cette longue rediff de l'enfer. Bon alors, Kurt est complètement excité parce qu'il a failli emballer Astraer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Calebou? Mais qu'est-ce qui t'arrive, chaton? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne vous inquiétez pas, il va pas mourir, hein. Oh putain. Voilà, ouf. Vous l'avez vu filer? Il est là. Mais pourquoi t'es paniqué? Ah, il vit en couple avec monsieur. Ah bah... Ou c'est son fils. Alexandre. D'accord, ok, j'ai compris. Non, c'est son fils.
Caleb s'est marié avec Judith, la star, hein. Et ça, c'est... Tu m'étonnes que quand Caleb il voit, il a peur. Oh, il est dégueulasse. Et tant que je... Pas de soucis, des bisous, Ricardo. Ah, mais qu'est-ce qu'il est laid! Mais qu'est-ce qu'il est laid! Alors, il n'aime pas le snowboard. Très bien. C'est très intéressant, ça, monsieur. Où est la vieille Richousse, ouais? Skeins Chamay. Swobiv Zaffel. Yassinarp. Amsoon Bafatamore. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a pas de musique. Ah si, ça y est, je l'entends. Discuter des tendances de décoration. Ah oui, parce que là, quand même. Il est horrible! Il est horrible, ce gamin! Mon dieu! Attention, hein! On n'aime pas le snowboard, mais on aime le ski! Ça va être tendu, ça, je le sens. Vous remerciez pour l'opportunité, vas-y, remercie. Vous pensez qu'il est vampire aussi ou pas? Ils aiment pas le rose. Mais il y a pas de problème. Mais Caleb, voyons, faut pas être comme ça, hein. C'est pas parce que t'es un garçon que faut pas aimer le rose, hein. T'as le droit d'aimer le rose. Et les paillettes. Et tout ce que tu veux. Suggérer une autre couleur. Demandez à voir la tendance. Intéressant pour faire un étalage, ces infos. Mais ça va être infernal. On fait quoi? On fait en haut ou on fait en bas? Parce que, mais regardez-moi comme c'est grand. Moi qui paniquais déjà à l'idée de faire refaire la déco. Oh, on a des chevaliers, mais ils coûtent tellement cher. On va... Oh, sinon, on va avoir un budget de ouf. Hein. Je sens qu'on va avoir un budget assez sympa. Alors, par exemple, le rose ici, il va falloir le jarder. Hein, ça, ils en veulent pas. Est-ce qu'on fait le haut ou on fait le bas? Peut-être un sondage, dans ce cas-là? Ah bah non, c'est carrément un étage, hein. Rénovation d'étage. Nous aurons bien besoin d'une nouvelle décoration, mais n'aurons pas à nous mettre d'accord sur ce que nous voulons. Pourriez-vous nous aider? Mais quel étage, Jean-Claude? Ah oui, c'est vrai, il y a le coup d'examiner et tout. J'avais oublié de faire ça. Tu vas examiner quoi? Pas les trucs roses parce que je sais qu'ils vont pas aimer. On va examiner la baignoire. La baignoire, on va examiner la penderie. Et le lit. Allez, on va faire ça. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Bah pourquoi? Mais il n'y a pas des cadavres qui t'empêchent de... mais pourquoi? Mais viens là! Qu'est-ce qu'il dit? Jamie, tu t'es cassé la tronche, hein, je dis ça comme ça, mon petit, mais... Il se tente de grimper sur moi, mais il tombe direct. Mais pourquoi il peut pas monter? Ça va, ça va. On essaye de... Mais eux, d'habitude, ils doivent venir, non? Parce que d'habitude, quand ils viennent, ils te disent s'ils aiment bien ou pas, et là, bon, de toute façon, c'est juste histoire d'eux. Ok, ok. Bon, ben écoute, alors non, le sondage est fait, 6 premiers étages, c'est bon, on a compris. Parce que là, au niveau photo, je pourrais pas, je vais faire une photo là, une photo ici, je sais pas. Tu peux dire au client de se barrer de là, et puis après, ça sera bon. Bon, alors, restriction.
super. Voilà, voilà, voilà. Comment je vais faire ça, moi? Ouais, ça, c'est très bien. Ah oui, c'est parfait. Ah, je te jure. Eh ben, on va vraiment pas s'en sortir vivant, moi je vous le dis. Ça va être d'un chien. Je vous conseille de partir tout de suite. Hein. Pardon. Je vais déroutoto sa mère. Ah, tant mieux, de toute façon, le rez-de-chaussée était dégueulasse aussi. Donc... ah, tout... Non, la cuisine, elle est bien en vrai. La cuisine, moi je la changerai pas. Peut-être refaire le sol. Je sais pas si je peux encore faire plein de photos ou pas. Putain, je me suis emmerdée à taper les escaliers pour R, quoi. La photographie, c'est de l'art. Card semble apprécier de tenter de donner le cliché parfait. Il aime la photographie. Est-ce qu'on aime la photographie ou pas? Oui, on aime. Bon. Après, ça reste assez libre hein, comme décoration. Parce que le ski, mais pas de snowboard. Alors, on va savoir. Bon, je connais la différence, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence dans le jeu? Ou est-ce que c'est catégorisé dans la même chose? J'ai peur. Ah, on va voir ça. D'accord, le ski, le snowboard. Ok, c'est. Ah, bah, dites. Oui, ok. Allez, zou, file. Ah, je me fais... Franchement... Ouh, peut-être pas les tableaux. Ça m'emmerde que le piano soit enlevé. Hein. Je vais juste changer de place. Oh, 8000. Allez... Je vous dis, hein... Vous avez encore le temps de fuir parce que ça va être quelque chose, hein, moi je vous le dis. Hein. Encore, j'ai pas regardé à combien on était de budget. Et j'aurais tellement envie de changer les fenêtres parce qu'elles sont vraiment, vraiment dégueu. Ah oui, ça, je vous le dis. J'aime changer toutes les fenêtres. Elles sont vraiment immondes, c'est vrai. Est-ce qu'on aura alors la thune pour ça? Dites-moi oui, je vous en prie. Oui, oui, c'est le talent, ça s'appelle. Bon, 95 000 ! L'enfer, par où je commence? Oh là là. La cuisine, pour moi, elle est bien. J'ai pas envie de changer. Refaire peut-être avec d'autres meubles. Moi, je vois que ça. Non, mais quelle idée de faire des... Regardez, il n'y a qu'une seule fenêtre, wesh. On va faire pas de... On promis, dans la cuisine, il n'y aura pas de rose. Qu'est-ce qu'on fait? Un truc assez cossu, sans être trop cher. Enfin, après, on a 130 000. Putain, 130 000. Oh! Ça, c'est pas mal. Vous voyez rien.
Ah. Préférez blanc ou gris, du coup. Blanc pour le corps, hein, et... Enfin, voilà. L'ambiance un peu plus chaude ou un peu plus froide. Ce qu'il en est, ce sera pas du... C'est sûr que ce sera pas rose. On a quand même plus une tendance sur les tons... Le blanc, hein. Pas que là-dessus, hein. Merci bien pour votre avis éclairé, mes petits amis. Après, est-ce que je refais 100% la cuisine qu'il y avait après... chez les chats, hein. Ne vous étonnez plus de rien. À part si vous voyez une explosion, du feu, un mur qui s'écroule, peut-être que vous pouvez vous inquiéter, mais sinon... Ah, cette fenêtre, c'est juste l'enfer. Mais ça passe bien, oui, Yoshi, merci. Non, j'étais d'accord deux fois avec le chat ce soir. Oh, GG ton drame, mais vraiment, je le vois, tu le fais vraiment pas exprès. Parce que t'es dans les premières à répondre. Ça a rien à foutre là. Là au niveau budget, on est plutôt bien. Enfin, s'offrir des bons petits frigos. J'ai même envie d'en mettre deux. S'ils sont riches. Caleb, il a eu le nez fin, il a épousé une richoue. Bon, il a un gosse qui est digne d'un film d'horreur, mais... on fait ce qu'on peut, quoi. Allez, on fait péter la poubelle intelligente. Les chats qui se remettent à faire les ouaves. En plus, on a la gazinière qui va avec, quoi. Pareil, merde, je vais en mettre deux. Ouais, parce que je me dis, quand t'as de l'argent, t'as de l'argent. Et hop, on va tout mettre en double. Parce que comme ça, si ça tombe en panne, il y en a un de rechange. Puis moi, j'ai la symétrie aiguë, donc je suis relou. Je crois que les prochaines fois, je vais attendre le chat pour répondre comme eux, parce qu'à force, on va croire que je fais exprès. Mais non, mais t'inquiète, mais c'est normal. C'est la première comme ça, je prie qu'on réponde comme... Ouais. Ah, très sympa, Yoshi. Bon. Sauf quand tu dois te retaper un étage entier, quoi. En vrai, ça va être du taf, quoi. Après, j'ai tout vendu les meubles. Ça me fait un plus gros budget, parce que... faire tout un étage avec 8000 ou 9000 simflouz. Ça fait mal. Ah, peut-être en mettre en blanc, non, c'est plus joli. Enfin en crème. Mettre du carrelage. Je vais essayer de faire le plus vite possible, les enfants, parce que là, j'avoue que ça va être très très long. Bon, je vais pas vous demander votre avis pour chaque truc, parce que sinon, on va pas y arriver. C'est pas assez classe. Hein.
Bon, ça, je viens de le mettre dans l'autre maison, donc forcément, on va pas se le faire. Que dit notre petit Riyad? Ça va pas coller ici, je pense. C'est un peu trop bariolé pour l'ambiance de la baraque. Oh, j'aime bien. Le sol, en vrai, je vais peut-être le changer aussi parce que il est sympa, mais pourquoi pas choisir un truc un peu plus. Ça rend bien! Eh, c'est validé là. Le sol. Bon, Tundra va pas aimer. Chut, Tundra ne dit rien. On va mettre quelques meubles quand même en hauteur. C'est pas la même couleur, ça, tabarnak. Attendez, je suis... Oui, c'est celui-là. Oh là. C'est dommage parce que c'est que en transparent. J'aurais aimé avoir un peu plus de... Qu'on ait le choix. Après, on l'a maintenant avec les nouveaux trucs, mais... Oh, c'est un peu bizarre, ça. Bah, déjà, toi, tu vas te mettre là. Parce que... Voilà. Ça va mieux dans ma tête. Un peu haut, c'est peut-être pas un peu beaucoup haut. Si je peux descendre encore. Oh oui, calme-toi, calme-toi. Oui, bah il veut pas baisser, ça fait moche. Ça fait très haut quand même. Mais par contre, elle est où la touche de couleur là-dedans? Mais elle est là, regarde, il y a un peu de jaune là! La couleur, c'est le marron! Moi qui mets jamais de marron, j'aime pas ça. Bah, de toute façon, ils veulent pas de rose, donc on peut tout mettre sauf du rose, tu vois ce que je veux dire? On peut faire même du arc-en-ciel, hein, ça revient même. Oh! Attends, ça match ou pas? Pas trop. Aussi, vous voulez dire le seul, hein, qu'on soit d'accord. J'aurais mis un carrelage crème plus simple. Par rapport à ce qu'on avait avant, moi, je trouve qu'il anime bien. Après, c'est mon avis, hein. Vous avez aussi le droit de ne pas aimer, évidemment.
concentration. Ah, c'est tout juste pour la fenêtre. Nickel. 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 Bon, alors maintenant on va mettre le bordel de cuisine. Cuisine. Parce que on a encore 115 000 à mettre. Ça, je vais mettre là. Poser un petit machin à serviette là aussi. Ah, la vaisselle. En dessous de l'évier. Voilà. Oh, on peut leur mettre des trucs à café, tout le bordel, on s'en fout de toute façon. Ah, c'est vrai qu'ils ne savent pas. Oh, est-ce que c'est chiant ces trucs? Ouais. Ils sont chiants les trucs à café. On peut y aller, hein. On s'en fiche. De toute façon, on joue pas avec. Mais on peut mettre beaucoup de déco. A priori. Qu'est-ce que tu veux? Dégage de là. Je veux pas que tu reviennes là. Pchut. Jamie, bouge de là. Ok, dégage, je t'ai dit. Oh, t'étais sage et tout, t'as fait des conneries, tu m'énerves, hein? Non. Tu laisses ça tranquille. Bah, c'est bon. C'est tombé à terre. T'es chiant. Ah, j'en peux plus. Je dis quoi? J'ai félicité tout à l'heure parce qu'il avait pas pissé, hein. Ça va pas durer longtemps. Mais psst. Dégage. Dégage. Laisse ça tranquille. File. File. Wouh. Scrognonu. Je vais prendre ta boîte à litière où t'es arrivé et tu vas rester dedans. Un vrai petit con. Les sauces. Ah, les sauces, on va les mettre là. D'autres sauces, on va les mettre là. On s'en fout, on va... Faut bien combler, hein. Des tasses. À côté de la machine à café. Oh là là. C'est chiant à mettre avec leurs emplacements, là. Après, moi, je suis une relou aussi. Je suis une maniaque, un peu, quand même. Nickel, hop. Hop. La vinasse. La vinasse. La vinasse. Hé hey. Oh, j'avais pas reconnu du tout ton pseudo. Salut, monsieur R, comment vas-tu? Et bonjour, les monsieur et madame R. Et la madame J, j'imagine aussi. Comment vas-tu, monsieur Bisou Grognon? Merci beaucoup pour ton raid et bienvenue tout le monde. Toi aussi, ton chat fait des bêtises? Oui, il aime bien faire pipi là où il faut pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il le fait quand même. C'est ça qui est beau. Vous arrivez juste après le drama, hein, vous inquiétez pas. Et salut, madame J, comment vas-tu? Salut, madame, monsieur R, madame J. J'adore les pseudos. Ça. Ils s'appellent plus comme ça, mais moi je les appelle encore comme ça. Parce que je m'y retrouve mieux dans ma tête. Parce que sinon, ça me perturbe. Un jour, peut-être, hein, je vous appellerai par votre nouveau pseudo. Là, comme ça, je suis perturbationnée. Alors, nous sommes en train de décorer cette grosse baraque, l'étage entier. Enfin, le rez-de-chaussée, c'est demandé au-dessus de ma tête. Donc j'ai tout vendu et je suis obligée de tout me retaper. Enfin après il y en a, ils feraient peut-être pas tout à ce point. Mais moi j'ai le sens du détail, donc du coup bah j'y vais quoi. On y va franco du collier comme on dit par chez nous. Hein.
D'ailleurs, j'ai pris ça, mais j'aurais dû prendre blanc. Vous pensez que je continue à prendre marron pour les meubles du haut ou je prends blanc? Mais tu lui montres. Je lui montre quoi? Ah, putain, j'ai mal aux jambes. Et toi, tu choisis le bon endroit. Qu'est-ce que tu fais? Petit con. Viens, petit con. Viens là, petit con. Coucou! Je suis le petit con. Tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Bonjour les petits culs. Moi je suis le petit con. Mais il a aussi un petit cul. Moi aussi mon chaton fait pipi partout sauf dans la litière. Elle aime bien les chaises en cuir et les rideaux. Ah non mais après il connaît la litière et il y va. Hein. Il sait très bien, il n'y a aucun problème. Mais je sais pas pourquoi des fois il va faire ça ailleurs. T'es chiant. Ça faisait 5 jours que t'étais sage, que t'avais rien fait. Oui. Casse les couilles. Hein. Corbeille de fruits. Après, on va s'arrêter là. Pour la cuisine. Oui, c'est très bien. Elle est validée. Je vais faire la salle à manger ici, plutôt. Je trouve ça plus logique. Là, salon, ouais, je veux bien laisser le salon ici. Toilette, salle d'eau, ça me va. Là, comme c'est des pièces un peu qui font passage, peut-être mettre le coin bibliothèque, un coin bibliothèque là. Et là, du coup, je sais pas. C'est des bureaux, bof, quoi. Hmm? Donc, bibliothèque avec de la moquette. Oui, il est beau. Ils sont chiants, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oui, ça, c'est clair. Ah oui, hein, Jamie. Et j'ai le Titi qui est pas loin hein, aussi. De toute façon, hein. J'ai pas non plus... Ah, il est là-bas. Voilà, mon chaton. Tu surveilles, hein. Il est là, rien. C'est moi qui l'ai. Tu veux jouer avec lui? Ils se sont vus. Bien. Cadeau. Va jouer avec ton frère. Oui, oui, Tyrion et Jamie, oui, ils s'appellent. Ah! Ouais, bon, ça rentre dans les bols. Bon, on va mettre ça comme ça. Oh, nickel! Ah, ça fait le coin thé et café. Parfait. Alors, oui, je vais mettre la... T'as compris. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Pour une bibliothèque. Ça, c'est bien. C'est apaisant. Il y a plein qui vont se dire « Oh, avec de la moquette !» J'essaye de trouver des trucs, moi. Ou est-ce qu'on y va dans le côté cocooning ou... Ah, il est pas beau, ce rouge-là. Peut-être un peu plus classieux. Hein. Ouais. Oh, les luminaires, on changera après. En vrai, ça me saoule un petit peu. La bibliothèque. C'est horrible. Hein. Il y a tellement tout à faire. Ah, elles sont bien, celles-là. Bois sombre. Ah non, je vais prendre celle de Strangerville. Parce qu'elles sont super classe. Qu'est-ce qu'ils me font faire encore là, les deux là? Je les trouve très très belles, celles de Strangerville. Et elles vont bien jusqu'au plafond. Et j'aime bien. Puis le budget, bon, ça va. On n'est pas trop serré par le budget. Ouais, bibliothèque à côté, là, bon, bof, hein, on va dire, c'est un peu spécial, mais. J'essaie de trouver des parades pour que ce soit joli. Comme ça. Pour trouver d'essayer d'habiller cette maison correctement.
Plutôt comme ça, plutôt. Alors là, ça va pas être possible à cause de la fenêtre. Puis une autre. Qu'un petit paravent là. J'essaye de faire le plus vite possible du coup. Hein. Franchement. C'est tellement ouf. C'est tellement grand. Bon, j'aurais préféré un vrai paravent. Celui-là, on l'a déjà mis. Ouais, puis ça, c'est pas... Ça, c'est pas mal. C'est un peu cossu, c'est pas le même bois. Ouais, non, bah, je suis pas sûre au niveau des paravents. Non, allez, hop, pas de paravent, on s'en fout. Ouais, pardon. Alors, des petits fauteuils. Ah, ou alors une méridienne. Genre, pour se prélasser comme ça, là. Tac. Ça casse un peu entre le côté un peu ancien et... mon taf. On a lavé Navi tout à l'heure, mon doigt pas supporter le choc. Mais quelle idée de laver votre chat, il est déjà minuit passé. Et chouchou bite tout le monde. Des bisous Guillaume. Bon, on n'a pas fini, hein, ça va être affreux. On est déjà sur 52 minutes. C'est pas possible. Un faille temporel quelque part. Ils vont détester, hein. Si je mets en vert. Nickel. Bon. Bon. Allez, ça l'a mangé. Grande table. Ça c'est très bien, c'est très cossu. Oh, mais elle fait tellement ridicule. Oh là là là. Ça fait tellement ridicule face à tout le reste de la baraque. Celle-là aussi, elle est bien cossue du cul, quoi. En couleur. Ouais, allez. Hop. Mettre la centrée. Ouais. On va y arriver. Vas-y, Shelly. Vas-y, Shelly. C'est pas le même bois. C'est pas la même chaise. Que c'est ces horreurs là ou non, c'est ces horreurs là. Est-ce que je fais le rappel avec le vert? C'est moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche! Non, je vais choisir des chaises un peu plus modernes quand même. Original, allez. Ah, alors Kurt est original quand même. Mais quelle originalité, voyons Kurt. Vous me troublez. Vous me troublez complètement là. Je ne m'y attendais pas, voyez. Vraiment, je suis estomaqué, je suis sur le cul quoi. Waouh. Mais je vais jamais finir cette baraque. Mais pourquoi je me prends la tête?
Putain, j'aurais dû faire le sol et le plafond et les murs, et puis c'est basta, hein. Mais quelle idée. Pas revenir en arrière. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. Vas-y, je mets tout en vert. C'est joli. Les luminaires, je me fais pas chier, on va les laisser. Je suis désolée, j'ai deux qui... Qu'est-ce qu'on va te mettre en par terre, toi? C'est rigolo. En vrai, qui c'est qui va avoir du marbre par terre alors qu'on peut avoir du parquet? Oui, bah tu l'as lavé, quoi. C'est ce que... Ok, Tandori, bonne nuit à toi. En vrai, je vais mettre du parquet. Qu'est-ce qu'on s'en... On s'en branle le fion? Pourquoi s'emmerder? C'est dommage que celui-là, il n'y a pas d'autre teinte, parce que c'est celui un peu que je pourrais préférer mettre. Et comme c'est pas une teinte que j'aime... Ah si, il y a celui-là. Allez, vas-y. Allez. Ouh, c'est moche. Il est pas beau. Non, il est pas beau, ce parquet. Moi, je vais faire mon parquet d'amour, alors, hein. Ah, je vous fais chier avec celui-là. Qu'est-ce que je peux vous faire chier avec celui-là? Mais écoutez, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui maille. C'est vieux trou là aussi, on s'en fout en fait. On sera obligé de faire là ici. Quelle grunge. Ah, c'est mieux. C'est tellement mieux. C'est tellement plus beau. Oh là 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 là. En tout cas pour moi, hein, vous avez le droit de pas aimer. J'ai le nez qui gratte sa mère dans les coins dans le coin. Je suis allergique au cou. Mais attention au concon, hein, pas... voilà. Hein. Non, c'est moche, Jacqueline. C'est archi moche. Oh, c'est vrai que le vert, il n'y a pas de tapis correct. Ah, j'ai ça. Bah ouais, bah on va faire pareil que dans l'autre mission. Hein. On va juxtaposer les tapis. Tundra, elle n'aimera pas, encore une fois, mais... Merde, je suis pas centrée. Bon, c'est un peu très virulent quand même, hein. Et bon, des coloris comme ça, ouais. Ouais, vas-y, je m'en fous. Franchement, vu tout ce que je dois encore me faire, je vais pas y aller. Je vais pas commencer à me casser les gno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 gn
et à rien. Donc c'est pour ça que ça me... Moi je trouve que ça rythme un peu, ça fait le contraste en fait, on voit mieux, ça met en évidence la table qui est simple avec le tapis qui est compliqué. Tout simplement. Et bon. Après, chacun voit midi à sa porte et 14h à sa fenêtre. Hein. Ah tiens, on va mettre ça. Quelque part. Là. Il y a les chats qui pètent un câble. En blanc. Là. Et je voudrais... I want to break free! J'arrive pas à voir si je suis au milieu. Ça va dans l'ambiance style en fait, mais voilà, mais c'est pas ce que je préfère. On va dire au moins la couleur j'aime bien. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, je vais bien te croire. Voilà le petit nouveau luminaire là. Franchement, je vais pas commencer à faire 10 000 trucs. Hein. Tiens, bah, on va mettre le pianal ici. Voilà, nouvelle salle. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on fait ici, les enfants? Vous avez une idée? Parce que là, franchement, faut meubler tout le bordel. Je vais faire le salon en attendant parce que. Ouh. Alors salon, je vais changer le sol aussi, parce que c'est pas beau. This is not schön. Ja, schön, ja. Ich spreche Deutsch und hein? Mais oui, bien sûr, une pièce de jacuzzi en plein milieu. Oui. Une salle de mariage. Style de bal, mais... Mais c'est pas des vraies pièces, ça, ce que vous me dites. C'est une habitation privée, hein. C'est pas... Hein. Oh. On peut pas faire de mur, mais on peut bouger la pièce. Ah, j'ai mal aux jambes. C'est insupportable. Bah, écoutez, comme ça, j'aurai un grand salon. Parti pour le salon. Je suis même pas sur quoi je vais partir. Alléluia. Franchement, voilà. Ils font parmi des plus chers. Et en même temps, ils sont super classe. On les a utilisés dans le manoir d'Iowa. Allez, on va prendre ce couleur-là. Je crois que c'était pas... On avait choisi les noirs. On va choisir les dorés foncés. Essaye de faire au mieux. Ah oui, ça plaira pas à tout le monde, là, évidemment. Ça, c'était quand même assez cool. Je crois qu'il y aura une fumée, donc en fait, non. Ça va pas du tout dans le style, si. Allez, banco, m'en fous, allez. Eh, c'est pas du snowboard, donc c'est pas du rose, donc ça passe. Mais une salle de bal, ça existe dans les grands châteaux. Alors tu fais un jardin intérieur. Oh ouais, mais là. Un jardin intérieur, je vais mettre 40 000 plantes. Il y a du rose là. Faut que ça aille vite.
faut qu'on aille vite. Je la trouve jolie, hein. Mais je me dis, c'est dommage parce que j'aurais peut-être pas la place pour mettre une télévision. Une salle là, c'est bien aussi. Oh! Je vais aller celle-là. Le tableau, il ira. Oula, vas-y. Hein. Méga téloche. C'est déjà de la haute. Voyons. Il faut qu'on ait de quoi regarder la télé de l'autre bout de la baraque. Tapis. Je vais lutter très très fort pour pas remettre le même tapis. De chez Iowa. Si je sais d'avance que ce sera le seul qui va coller. Ah. Allez, pour Toundra, on en met deux. Hip hip hip, Toundra! Tout le monde s'en va. Mais regardez-moi cet écart dégueulasse. Ce bâti simple, efficace, noir, donc j'ai... Ah, bah dis donc. Bon, par contre, la cheminée ne me plaît plus. La relou. Ah bah nickel. Bah nickel, parce que ça va avec les canapes. Ah, quoique. Votre avis, gauche, droite. Un petit bananier, c'est exotique, Jean-Michel. Mais qu'est-ce que la vie peut être cruelle parfois. On avait fait des photos, hein. Ouais. Ouais. Papier peint. Il s'est tourné boulé. Pop. C'est pas vrai, peut-être. Ça va être horrible. La rediff, mon dieu. Oups, ça. Je suis pas sûre de trouver un papier peint qui aille. Hein. Quoi, celui-là, il est un peu pompeux encore, mais... Ah, c'est ça qu'il faut. Oh, ça rend trop bien en jaune. Et là, ça fonctionne, vous avez vu? Oh, pardon. D'ailleurs, ça marchait pas. Ah, ça, c'est super classe.
Je sais pas. Sims 3. Ah, t'es comme ça, toi. Si vous préférez gris ou ocre, beige. C'est pas ocre, c'est beige. En vrai, ouais, j'aurais dû en faire du Sims 3 la semaine dernière. Mais comme j'ai annulé le live, et d'une, j'étais vachement crevée, et de deux, j'ai avancé sur ma vidéo des looks, hein, qui a complètement foiré. Je n'en referai plus, malheureusement. Alors, je mange rien de bon, ma petite Madame J. Ce sont des langues, des bonbons. Voilà. Donc c'est rien de bon. Oh là là, ils sont en pleine bagarre, hein, les deux là. Et c'est le Belge qui gagne. Merci de votre avis. C'est un peu plus chaud, j'avoue. J'ai tellement envie de rajouter des fenêtres, vous avez pas idée. Normal si vous entendez du bordel, hein, je préfère vous le redire. Toujours ce problème de rideaux et de fenêtres. Ces rideaux en noir comme ça. J'aime bien. C'est vide. Mais zut hein. J'ai envie de dire. On met ça. Voilà. On va les occuper un temps. En sculpture. Ah, c'est ça qu'il faut que je mette? Non. Saut abondance. Et il faut que j'essaye de mettre le truc là, mais je sais pas. Le truc des tasses là. Dans la cuisine. Rien à voir le salon, c'est un truc de fou. Hein. J'aime beaucoup ce salon maintenant, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici, moi? Oh, et vous vous calmez, là? Et ils sont complètement starbés, là. Ah, on va faire les salles de bain. Ça va être rapide. Bon, merde, les mots. Allez. Bleu et blanc, voilà. Jaune et... Alors, j'ai dit jaune, en fait. C'est pas grave. Ouais, non, mais t'inquiète, hein, je commence à avoir l'habitude avec toi. Hein. Bleu et blanc. C'est pas possible, cela. Mais ils me foutent à un souk. Mais je vous avais pas aidé là. Je sais pas si vous les entendez derrière. Le bruit du poisson qui fait une... Je l'ai rechargé alors. C'est Jamie, il aime bien. Tyrion, il en a toujours peur. T'as pas le droit de fenêtre, c'est ça? Je sais pas. Dans le doute, je m'abstiens. Ah merde, il y a le PQ de Marie qui est là. Hop. Ah.
Et là aussi. Il n'y a même pas de fenêtre dans la salle de bain, dans une baraque comme ça. Non mais... on est où là? Et pourquoi il y a des tableaux dans la... Ouais, c'est complètement... C'est complètement stupide. Des tableaux dans la salle de bain. Non mais allô? Toi t'as des tableaux dans ton salle de bain. Hein. Non mais allô? Ouais, c'est toujours les mêmes tableaux. Rien à foutre, j'ai mis un côté de l'autre. On dira que c'est des tableaux de famille, qu'on voulait pas les perdre. J'ai mis deux loupiottes ici. Oh bah, et loupiottes là, elles vont rester. Hein. À un moment donné. Hein. Salle de bain. Salle de bain. Câlin. Alors, douche. Hop. Ici, on va mettre celle-là. Ouais, mais Tyrion, tu le cherches aussi. Oh, j'entends qu'il se plaint là. Qui... Bon, ça suffit. Oh là 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 là, quel bordel. Il faut du bordel. Il met fin du bordel. Toi, tu laissais, toi, le bordel. Voilà, un toilette. Peut-être pas les chiottes en or non plus, hein. Les chiottes. Ceux-là, ils sont mignons, là. Ils sont quand même pour le officier. Les officarions. Officarienne. Lavez-vous le fion. Dans ma chiotarion. Allez. Oh le lavabal, qu'il est beau le lavabal. Oh le lavabal de l'amour. Il n'y aura pas de PQ dans cette maison, bah non. Ils ont des domestiques pour ça, ils vont pas se faire eux-mêmes, Jean-Guy. Oh tu as de l'humour, toi. Oui, non, mais c'est ça, oui, bien sûr, c'est ce que je dis, si vous entendez du bordel, c'est eux, hein. C'est, ils sont en train de foutre le souk, hein. N'inquiétez pas, hein. Vous pouvez vous inquiéter que si vous voyez du feu, là, par contre, ça sera pas normal. Croyez-moi. Ça sera trop logique à ce moment-là. Bon, hop, les deux salles de bain, c'est fait. En plus, pourquoi? Il y a marron et blanc. Et après on part sur du marron. J'ai pas changé les portes hein, et tout. Et là on part sur du blanc. Les Sims. Faut arrêter de boire de l'alcool maintenant quand vous travaillez. Ce n'est point possible. Alors j'aurais bien aimé faire finalement la... La remettre le pianal. Parce que franchement c'est classe. Et un orgue. Un orgue de barbarie. Vous savez pourquoi on appelle comme ça, Jean-Guy? Vous le savez? Hein? Vous le savez? Ah oui. Bon, moi, je vais rien vous apprendre si je vous le dis alors, Jean-Guy. Pour le tout remettre après. Oh, des skis, c'est vrai, quoi, j'oublie des skis. Pas de snowboard, oh mon dieu. Ne faites pas ça, Jean-Michel. Le snowboard, c'est affreux, vous avez les deux pieds joints. Comme si vous n'aviez pas de jambes. Non, ce n'est point impossible. Je ne peux pas accepter. J'ai deux jambes, je tiens sur mes deux pieds.
Le snowboard n'est pas pour moi. Deux jambes, deux planches à ski, voyons. Oh, voyons. La guerre est déclarée, bon. Tu m'étonnes. Je pourrais gagner des sous, bah, j'espère, parce que vu le temps que j'aurais passé dessus, en vrai... Peut-être que j'en passe trop. Oh, un bar. Bon, allez, je vous abandonne. À mon tour, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Ah, bichette. Bonne nuit, tout le monde. Faites de beaux rêves. Reposez-vous bien et faites attention à vous. Bisous. Ouais, c'est ça. Allez, salut. Hein, moi aussi, j'y vais. Bon, bah tant pis, je vais pas chercher ce que je voulais chercher. On va partir sur autre chose. Je vais pas commencer à me prendre la tête parce que je trouve pas un truc. Vu tout ce que je dois encore faire. Encore ça va, on commence à avancer un peu, mais bon. C'est quand même pas. Oh, c'est la merde à boire. Il nous reste 91 000 euros. C'est une flouze, excusez-moi. Martial, ça va? Tu te fais pas trop chier? Je vois qu'il m'envoie des trucs là. J'ai des notifs maintenant avec ce téléphone. Comme quoi j'avais plus les notifs avec l'autre. Donc je voyais pas forcément quand on m'avait envoyé un message sur Insta. Et là maintenant je l'ai. Hein. Mais j'ai fait un filtre ou quoi? Pourquoi je trouve pas quelque chose qui me plaise là? Qui me plaît tout court même. Tout qui me plaise. Allez, mini maison. Hop. Non, non, tu te fais pas chier. Tu peux partir, y'a pas de soucis. Hein. Je comprendrai, mon cher ami, très cher ami, vous vous faites chier, c'est normal. Je vous ai prévenu dès le départ. Hein. J'ai vu la barrage, je fais oh mon dieu! Oh, c'est un chien, ça va être infernal. Mais allez-y, allez-y. N'hésitez pas, on se renvoie demain, y a pas de problème. Ça va être grimpé. Non, il m'envoie des trucs. Des trucs à la con, ouais. Surtout des trucs à la con. Enfin, j'ai pas été voir, mais. Ah oui! Le tapis à. Oh! Oh! Alors, ok, je suis d'accord. Pas la peine de me le dire, je l'ai vu, je l'ai remarqué et je suis d'accord avec vous. Mais ça colle parfaitement, donc je vais le laisser. Parce que oui monsieur, oui madame, je n'ai pas le temps pour autre chose. Allez, salut. Oh, c'est pompeux ça. Jean Guy tout. Oh, j'aime votre à quel point vous êtes vous osez les choses, tout ça, ça me rongueillerait. Vous voyez? Bien sûr, vous avez remarqué dans cette pièce, il n'y a zéro lumière naturelle. Alors si on met des plantes, elles vont crever. Tu viens mon titoun? Tu viens faire un câlin chaton? Tu viens? Okay. J'ai acheté un Feliway encore plus zen pour renforcer.
Je sais pas si ça va marcher, mais... À 30 balles le flacon, j'espère bien, hein. Tu me sens que le rire, il était encore moins normal que d'habitude. Allez, les ficus, ils sont trop forts, ils sont éternels, tu vois. Moi, ça me va. Moi, ça me va très bien. Oh, regardez ça. Ça, c'est pour la porte d'entrée, ça là. Voilà, tu mets ça à l'entrée. En vrai, il reste pas grand-chose, hein. Mais là, je sais pas quoi faire. Si je mets une table d'échecs. Bien s'occuper dans la vie. Quand tu vas voir, c'est un truc con, bah comme d'hab. Hein. Comme le truc des trous de balles, hein. De chat, évidemment. Il m'a envoyé une vidéo, il disait, bah voilà, à tous les propriétaires de chats, sachez qu'absolument tout chez vous est en contact ou a été en contact avec le trou du cul de votre chat. J'ai dit, bah oui, mais moi, c'est mes fils. Donc je m'en fous. Oui, tu es content, toi, bah oui, hein. Tiens, maman, prends mon trou de cul, je l'ai foutu partout. Eh oui? Bah oui. Cracotte, pourquoi je perds du temps dans le tapis, en fait, tu me le dis? Tu me le dis pas, Jean-Maurice? Mais pourquoi j'ai venu? Ça, je le laisse, je m'en fous, on m'a dit que j'avais pas le droit de toucher à l'étage. Jean-Guy! Jean-Guy tout! Ah bah j'aurais dû mettre ça! Ah zut, ça passait pas! Je suis tristesse infinie! Hein? Mais tristesse infinie, hein, toi et moi! Pouic, pouic, pouic! Je pensais faire une... Peut-être pas ici, mais là, à la salle de sport. Vite fait de sport. C'est où? C'est là? Ça déjà. Voilà. C'est artistique. Putain. Pardon. La... Ça va, je te dérange pas? La paire de ski? N'oublions pas la paire de ski. Je trouvais un truc de sport. Le pactole en termes de machin, c'est ça. Oh, ça, 1700, on a encore de la thune. Hein. Ah, tu penses qu'il y a la rediff? On est à 1h38. Je pense que je vais couper. Dans certains moments, je vais couper. Eh, il va avoir besoin de courage. Et puis alors, une SB. Ouais, mais alors, déjà 1000 vues sur la mission d'1h20, j'étais là. Comment? Mais vraiment, je pensais pas, vu le format, mais non, j'ai eu des commentaires sympas, genre « Ah, mais c'est cool de devoir le faire, parce qu'on voyait pas sur les autres. » Mais non, parce que sur les autres, je voulais qu'il y ait la surprise, en fait, sur les petites vidéos, je voulais que vous découvriez comme les clients, en fait. Pour moi, ça amenait un peu de surprise, ça pouvait être sympa. Mais là, en live, bon, bah, effectivement, je vais pas couper... Voilà, quoi. Ce que je veux dire... J'ai chaud. Moi, j'ai dû fermer les fenêtres à cause du bruit dehors. J'ai chaud sa mère.
parfait. Qu'est-ce qu'on va mettre comme... on avait prié. C'est de la maçonnerie. Le truc de, bah, de fitness qui était bien. En revêtement. Ouais. Voilà. Nickel. Petite salle de sport. Et ici, un bureau. Donc, je vais reprendre mon parquet. On arrive vers le bout. On arrive vers le bout de cette rediffusion. Oui, de cette rediffusion aussi, d'ailleurs. Mais de cette rénovation. Et je vais plus en pouvoir. Je veux dire, après, je vais me coucher. Laisse tomber. Nu, hein, évidemment, parce que j'ai super chaud. Ah, puis alors en bureau. Vintage. Ah, celui-là de paranormal. Oh, il est beau. Il est beau, mais tu peux pas le mettre comme ça. Mais écoutez, je vais prendre le pari. J'en mettrai un comme ça. Il fera office de décoration sur le côté. Et je vais en prendre un autre où on peut le mettre comme ça, de biais, avec, voilà, comme si c'était un vrai bureau, en fait. Un vrai bureau de ministre. Non, mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi avoir mis un truc bleu? Ah, je vous jure, ça me fatigue, moi. Parce que ça colle. Oui, ça va, ça va. Ça va. Bon, on va partir sur peut-être du bleu, alors. Ah. Fauteuil. La chaise parfaite. En plus, le papier peint, même pas besoin de le toucher, Georges Michel. C'est impeccable. On va faire des petites économies par-ci par-là. On va regarder le brocart au mur. Écoutez, c'est la petite touche sympa. La petite touche qui fait référence à ce qu'il y avait avant, vous voyez. Je suis insupportable. Oui, une chenille, où ça? Mais précise-moi, s'il te plaît. Mon petit biquet, dis-moi où tu la vois, la chenille. C'est bien que je vois les trucs 10 ans après, moi, je sais plus. Allons-y, allons-en, on sort les grands ordinateurs qui coûtent la peau des fions. Oh, c'est incroyable. Jean-Guy, vous m'estomaquez, mais alors je vous dis que ça. Oh, de but en blanc, brut pour point. Ah. C'est la fatigue. Oh, Jean-Bi. Oh, Jean-Michel. Je m'épuise. Si je tire sur les câbles, moi, vous avez... Bientôt, je vais me couper la connexion. Ça m'est déjà arrivé, hein. YouTube, remémore-toi. Un live où d'un seul coup, ça a coupé. Parce qu'en fait, avec mes pieds, j'avais tiré sur le fil. J'avais déconnecté la fibre. Ah, ça allait moins bien marcher, hein. En fait, c'est... Elle est moche. Ah, mais ça marche pas. Ah, bah tant mieux, ils iront pas à l'ordinateur. Oh, on s'en fout. C'est des merdes. C'est pas mon problème, moi. Moi, c'est bien un fauteuil, je suis à l'ordinateur. Je vois pas en quoi c'est ça pas compatible, les Sims, là. Faut arrêter un peu, hein.
Jean Guignol, oh là là, il m'exaspère celui-là aussi, franchement. Ah. Dans la salle de sport, ah oui, tout à fait. Pour s'occuper l'esprit. On y arrive, regardez. Bon, il nous reste encore l'entrée, hein. Bon, l'entrée, je vais refaire le sol. Enfin, le sol est déjà fait, les murs. Et 2-3 babioles, et puis basta. Hein. On passe. Oh, on passe monter le bourrichon, hein. On a déjà fait assez, là, ça fait quand même 1h46 qu'on est dessus, quand même, je vous dis ça. Je pense qu'il y en a qui auraient pété un câble bien avant nous. Si toi aussi, Charlie t'énerve quand elle fait la bourgeoise, tape caca dans le chat. Maintenant que tu as tapé caca dans le chat, je vais te bannir. J'ai oublié le palmier. Putain, mais il y a zéro fenêtre dans cette baraque. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, oh! Oula, Jamie, va pas derrière. Oh, tu as commencé à me casser les burnes aussi, toi. Allez, file. T'es pas sage, hein. Je vais me fâcher toute rouge, hein. Pourquoi pas le gros karaoké dans la pièce avec l'échiquier? Oui. Ah, j'ai oublié de refaire le papier peint. En même temps, je le trouve bien, celui-là. Il ne me dort pas. Il faut raison garder. Des fois, c'est bien plus joli comme c'était. On peut mettre encore plus coquet avec quelques dorures. Mais écoutez, on a le budget. Pourquoi pas en abuser un petit peu, hein. Ah, j'ai déjà fait l'entrée. L'entrée est faite. Voilà. Jean Bifton, là, derrière. Dégage. Il est en train de bouffer mes câbles. Et comme c'est l'anarchie... Ben voilà. Karaoké, vraiment? C'est plus la même mission, hein. C'est quand même chelou de mettre ça là. Ah, c'est quoi l'objet que je dois mettre? C'est pas avec cuisine rustique? Arrête! C'est pas possible. T'as 40 000 jouets qui sont là derrière. Oh, regardez! Un petit bout de Tyrion qui est là. Maman, tu tournes. Il y a de ses têtes. Il est là comme ça. Je sais pas si vous voyez pas sa tête, je crois. Attendez, je vois pas le bord. Ah si, vous voyez en entier. Maman, titi. Hey. Bah là, mon chaton. Tu es beau? Non, là, il fait pas de sourire. Hein. Ses yeux alien. Les yeux de l'alien. Oh, il a recoin-cointé des fois, mais. Et c'est quoi ce truc de café? Moi, je sais plus. Mais ça vient d'où? Et je sais pas quel est l'objet. Comment je peux comprendre? C'est dans cuisine?
Putain. Est-ce que c'est pas le truc de mug là que j'ai déjà mis? C'est ça? Range tasse de café concept. Bah c'est bon, je l'ai mis. C'est bon, je l'ai mis ce truc là. Je me souviens du mot concept et tout. C'était tasse à café concept. Post rustique, oui c'est ça, ce range tasse au style industriel de post rustique est une magnifique œuvre d'art idéale pour ranger la vaisselle qui vous permet de vous réveiller le matin. Bon bah nickel. Mon placement de produit est fait. Ne me remerciez pas. Ah, regarde, j'ai trouvé un truc pour meubler les coins et les recoins. Tout, je l'ai jamais utilisé celui-là. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Magnifique. Il me fait un pince ce gamin là-bas. Des fois, je me dis, ça sert à quoi de ranger? Nettoyer, va tout refoutre. Ah oui, j'étais sur le bureau, c'est vrai. Enfin, la fin du bureau, en vrai, parce que je vais pas en mettre 40 000 choses. Mettre un tapis et des trucs de ça, et puis... tu vois, genre un petit mouchoir. Pas les vieilles photos de grand-mère, ouais, bon, c'est pas grave, ça passe. Le bruit, c'est Jenny. Hein. Il est en train de foutre le souk avec un vieux sac en papier. Ah non, c'est plus le sac en papier. C'était un truc dans un colis qui me l'a déglingué. Ça allait encore, hein, il n'était pas complètement déglingué. Mais là, par contre, je pense qu'il va être déglingué. Ah oui, là, je pense que c'est bon. Il va m'en faire des chiquettes un peu partout. Là, il est en dessous, il est planqué. Non, c'est pas obligé, mais c'est pour voir ce que ça fait. C'est le placement de produit qu'on a eu au début. Peut-être qu'on va avoir des thunes en plus, tu vois, je sais pas. Ça pourrait être cool. Allez! Il est bien ce petit, là. Nickel. Et pareil, pourquoi c'est marron? On va mettre ça en blanc. En vrai, j'ai pas envie de mettre 10 000 trucs. Ouais, et toi, tu m'énerves. De toute façon, t'es là 40 000 fois dans ce... Dans cette réno, tu m'énerves. Ouais. Écoutez, hein, fais ce qu'on peut. On va donc déjà mettre de la déco. Nickel. Bah écoutez, on va faire l'entrée. Pareil, pourquoi la porte est marron? I don't know, baby. I don't know. Ça, c'est pas beau. On va faire ça comme ça, ici. J'écarte un petit peu plus les fenêtres. Ce sera plus digeste. Hop, tac. C'était pas fait, je sais pas pourquoi. Ici, eh bien, moi je veux bien laisser. Hein, je trouve ça classe. C'est la classe, quoi. C'est la classe à Dallas. On est sur la dernière pièce. On se mine le fion, les enfants. Ah, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Et je vais mettre. Ah, attendez, est-ce qu'on peut mettre les causeuses. Enfin, la. Avec, oui. Moi, parler la France. Moi, parler France au bout de 1h57 de rénovation. Ça. Comme ça, quand les richoux, ils reçoivent des invités, bah, ils les mettent là. Ils disent, veuillez attendre. C'est Daichi qui ouvre la porte. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît. Puis il va aller chercher.
Ah si, moi, c'est Daichi m'a dit qu'il faisait ça. Est-ce que tu me crois pas? Vas-y, t'as un problème, toi. T'as dit que tu me croivais pas. Parce que moi, il faut me croiver bâton. Pourquoi je colle alors qu'il y a 40 000 places? Voilà. C'est reparti pour un tour et faire joujou. Et Tyrion est le premier à y aller. Et dans 5 minutes, il va lui hurler dessus parce que... tu m'approches pas, je t'aime pas. C'est ça la dure vie des chats, hein, je ne comprends pas. Laisse les consoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On verra pas ta tante Lise. On se fout. C'est un peu sombre tout ça. Oh, vas-y, mais ça. Pourquoi vous mettez ça comme quoi? Vas-y, ça m'énerve. Tiens, si on faisait une maison où il n'y a quasiment pas de fenêtres et qu'en plus, le peu qu'on a, on leur met des trucs où la lumière rentrera pas. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais bien sûr, les Sims. Bon, est-ce que ça change vraiment? Un peu quand même. Mais bien sûr. Vous savez quoi, hein, je vais craquer. Hein. Bon bah. Là je peux pas parce que j'ai déjà mis ça, mais j'ai la flemme. Mais je vais leur rajouter des fenêtres, c'est pas possible. Non, touche pas à celle-là non plus. Quoi, ils ont confiance en moi, ces propriétaires. Ils ont dit juste vous touchez pas à l'étage. On m'a pas dit touchez pas au mur. Ce que j'ai à dire, moi. Je pensais trouver une petite fenêtre qui ressemblait à ça. Mais non. Oh la vache, ils font des bons là derrière. Mais... c'est pas possible. D'accord, on est avec le jeu de base, quoi. Sur la même... Oh, et ça suffit, là. Un carnage. Ah non, mais... vous verrez, hein, des fois, il est fou. En fait, il est complètement ch'tarbé. Non, mais sans déconner. Quand je le vois courir comme il court, je dis, mais il a un grain. Hein. Ça creuse l'appétit, mon titi. Petit chaton. C'est dur la vie de chat.
à faire le zozo avec, avec son frère. Oh merde. La Titi ? Bon. Vous voyez quelque chose de plus à faire ou... Oui, ici c'est très vide, mais en vrai, ça sert de couloir, quoi, on va dire. Jimmy ! L'autre fois, il voulait sauter sur Tyrion. J'ai juste tenu ses pattes arrière sans le serrer, en fait. Juste, j'avais les mains qui bloquaient les cuisses, en fait. Il a pas arrêté, il a fait... Pour aller sauter dessus. Et moi, je le retenais à chaque fois. Ah oui, c'était plus vide, mais est-ce que c'était plus beau? Je n'en puis plus. Oh, viens câlin, chaton. T'es épuisé, mon bicheton. Hein. Oh, regardez-moi ça. Chaton épuisé. Regardez-moi le bordel qu'ils m'ont fait. Oh! Oh! Voilà. Non, Titi. T'as vu ça, les bons qu'il fait? Pire que toi quand t'étais petit. Il a les yeux comme d'une soucoupe, regardez. Oh, moi je suis fatiguée, dit. J'ai couru partout, hein. C'est plus de mon âge. Tyrion. Il s'en fout, mais voilà. Je n'existe plus. Il fut un temps pas si éloigné, il aurait coin-cointé, là. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des tableaux. J'en ai mis, hein. Mais il n'y a pas beaucoup. Parce que là, à chaque fois, il y a des arches. J'ai mis deux tableaux. En vrai, moi, je trouve ça très bien. Pas besoin de mettre plus. Salut, Vilititi. Comment vas-tu? J'ai lu ce que tu as écrit avant de savoir que c'était toi. Bon, allez, moi, j'en ai marre. Voilà, on va s'arrêter là. Pour cette réno. Il manque une ou deux paires de skis. Il y en a deux, hein, déjà. Il y en a une dans la salle à manger que ça n'a rien à y foutre. Ouais, on va mettre une troisième paire de skis. Mais oui, mais j'en mis. Voilà. On va les mettre là. Magnifique. Ah, on est obligé que ça, on va leur montrer. Ils vont être contents. Un petit tapis rond ici, ouais, vous avez raison, un petit tapis rond à l'entrée. Ouais. Mm. Mais pas ces tapis de lessive parce qu'ils sont pas assez classe pour de la haute société. Petit tapis de comme ça. Tout à fait. C'est très beau, c'est très classe. Voilà. Vraiment beau Titi, bah c'est mon fils, hein. Il a mon sang, hein, c'est normal. Ah si, j'en ai marre là, ça fait 2 heures qu'on est dessus. J'en ai ras le cul.
dit-elle alors qu'elle veut encore ajouter quelque chose. Ben oui, mais bon. Faut les mériter, nos 800 simflouz. Putain, je te jure, à ce prix-là. Je rajoute des plantes. L'amour des plantes n'a pas de limite. L'amour de les plantes. Oui, de les plantes. N'a pas d'âge. L'amour de les plantes. Allez, tout le monde. N'est pas interdit. L'amour de les plantes. C'est tous les jours. Mardi. Et ouais. Magnifique. Merci. Vous avez chanté avec moi. Merci. Bah, je sais. Mais en plus, j'ai marqué 800 balles. J'avais dit au pif. Je me souvenais plus. C'est. Oui. Ah bah, c'était un étage en fait. Il faut aller. Regarde, c'est rénovation d'étage. Donc, et ils m'ont bien dit limité au rez-de-chaussée. Donc, bah. Je dois tout me taper, après il y en a, ils auraient... Voilà, vous faites pas tout et ça passe, je crois, mais moi, j'ai... Moi, on me dit ça, je le fais, hein. C'est bête et méchant. Hein. Mais moi, je suis bête et méchante. Ah, surtout méchante. Je vous rappelle que je suis malveillante. La malveillance même, mais malgré ça, écoutez, continue de venir me voir, hein. Les radins avec les gros budgets qu'ils ont. Mais non! Non, non! Ils avaient 9000 de budget! Ou 12000, je sais plus. C'est ce que j'ai tout vendu? C'est avec Zaba. C'est quoi cette déco d'intérieur? C'est dans un DLC. Bah, c'est moi qui viens de tout faire là. Tout en bas. Oh! Bah, j'ai juste pas trop touché au mur, à part là, j'ai bougé d'un carreau vers le couloir, mais... Mais, ah oui, pardon, cette déco d'intérieur, oui, c'est un nouveau pack. C'est un nouveau game pack qui est sorti... Mardi. C'est une nouvelle carrière de décorateur d'intérieur, et donc, bah, t'as des missions, et c'est toi qui décore la maison. Selon ce que tu prends, tu vois, j'ai retapé la cuisine, j'ai fait... Avant ici, c'était la salle à manger, j'ai fait un coin bibliothèque. Là, par contre, c'est la salle à manger. Parce qu'on m'a dit, pour 800 simflouz, tu fais tout le rez-de-chaussée. Et j'aime pas le rose, j'aime le ski, mais j'aime pas le snowboard. Écoutez, je vois pas de rose, moi, dans l'horizon, donc ça devrait aller. Et merci Monsieur Gaming TV pour ton follow, bienvenue à toi. Mais le client, le budget... Non mais le client... C'est Caleb et son fils. Alors Caleb Vator avec son fils qui est... immonde. Il s'est marié avec Judith Worth. Et son fils est dégueulasse. Eh ben écoute, ça va bien, Monsieur Gaming. Ça va. Je suis un peu saoulée et fatiguée parce qu'on arrive à la fin de cette rénovation. Hein. Le miroir qui est pas au bon niveau, eh ben c'est tant pis. Je vais supprimer les petites loupiottes. Non. Là, ça. Parce que voilà. Parce qu'on a d'autres loupiottes. J'ai rajouté des fenêtres, donc on va pas non plus se plaindre. Ah, ici. Ah, rien. J'ai pas la foi. Je vais remettre exactement la même lampe qu'ailleurs. Il n'y a pas de rideau tout partout. Est-ce que je devrais le faire. Parce que j'aime les rideaux. Shirley, elle aime les rideaux. Elle aime ça. Elle a les rideaux dans le sang. Ah bah, je trouve ça moche. Ah, mais s'il n'y avait pas ce bug aussi, là, ça me... Mmh.
Voilà, on s'en fout. Là, il y en a déjà. Là, on s'en fout. Allez, hop, c'est bon pour les ridales. Celui-là, il est vraiment pas bien posé du tout. Mais je peux pas le mettre ailleurs parce que le truc est bugué sans main. Voilà. Ah, écoutez, j'ai pas envie de me battre. C'est pas cher payé pour un étage. Après, il y a moyen que je gagne un peu plus. Hein. Allez, c'est parti. Moi, je crois que j'ai fini ce rez-de-chaussée. J'en ai marre, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Alors au début, j'étais plein d'entrain avec la cuisine, hein, ça se voit. Puis le truc là, et puis après j'ai perdu patience, je sais plus à quel niveau. Mais je suis quand même contente, c'est assez joli. J'aime beaucoup le salon. Qui est chaleureux. Ici c'est un peu un passage, il n'y a pas grand chose à part la paire de skis qui se balade ici. Finalement je me suis pas résolue à faire autre chose qu'une salle un peu de réception et d'art ici avec la peinture, le piano et l'orgue. Et le bar pour picoler un coup. La salle à manger qui est déplacée ici avec une paire de skis dans le coin histoire de pas oublier parce qu'on aime le ski. Le coin un peu lecture bibliothèque. Tranquille avec la petite moquette pour se faire du bien. Le coin cuisine avec double frigo, double gazinière, double évier. Et un seul lave-vaisselle. Parce que quand même. Et de quoi faire la cuisine. En toute... Voilà. Et l'entrée. Bah simple, je ne me suis pas pris la tête. Ça me saoule. Voilà. Ah si, pardon, il y a une salle de sport ici. Avec toujours une paire de skis, hein, histoire parce que nous on aime le ski. Hein. 2 salles de bain. Quasiment identiques. Voilà. Et ici un petit bureau. Qui a pour vocation juste de faire passage avec dehors. Quoi. Donc je me suis pas attardée dessus. J'aurais pu faire beaucoup plus de détails. Mais j'en ai marre. Et j'aimerais bien bouffer du caviar. C'est pas avec 800 simflous que je vais commencer à m'acheter ce que j'ai envie d'acheter, vous voyez. Moi j'ai le goût de luxe, et là franchement, j'en ai sué 100 et haut, je suis exténuée, on m'a coupé les pattes, et pourtant j'arriverai même pas à payer un Burger King après ça, quoi. Allez. Je sais plus ce qu'on avait pris comme photo. On avait pris quoi comme photo? Le salon? Ici? Je sais plus. Merci Caroline. Parce que j'ai passé une trousseur avec toi. Ah, bah attends, c'est pas fini, il faut qu'on fasse la révélation. Ah, le temps qu'il arrive là-bas, on aura le temps d'aller se coucher, de préparer le petit-déj. Hein. Ah oui, c'est ça, on avait fait un truc comme ça. Ça y est, ça se castagne là, les autres là. C'est Titi qui s'énerve. Mais touche pas, alors qu'il vient de jouer avec comme un forcené. Tyrion. On avait fait. Pas ici parce que c'est pas intéressant. On avait fait le salon. Mais dans quel coin on avait fait le salon? Putain, mais. C'était il y a 2 heures, moi je me souviens plus. Merci Billy Titi, c'est gentil. Je me souviens plus dans quel sens on avait fait le salon. C'est dans... C'est de l'autre côté ou bien? C'est mieux de prendre le même angle. Comme ça, quand on voit le avant-après, c'est beaucoup plus réussi. Ouais, je crois que c'était ça. Bah, on m'a posé la question tout à l'heure, c'est bah, avec tout simplement avec les flèches. Avec les flèches du clavier. J'ai tenté de voir parce que moi je me balade toujours en mode table comme ça. Et effectivement ça marchait aussi pour les photos. Je suis ah bon nickel. Et A pour monter, descendre et E pour monter. Voilà. En fait c'est un mode table quoi. C'est une mode table. Je sais plus du tout hein, ce qu'on avait. Où j'avais fait les photos par ici.
Je crois qu'il y avait la cuisine aussi. Eh, j'ai appuyé sur C, ça marche. Lol, lol, lol. Putain, par contre, je sais plus dans quel... Pas grave. C'est pas grave, et je vais prendre celle-là. Hop. On verra bien, hein. Allez, tu vas dire au client de revenir répliquer. Ah ! Ah oui, parce que j'avais fait les photos de l'étage avant. Ah, j'avais pris bien la cuisine. Alors, bah, le salon, je l'avais pris comme ça. J'ai pas touché à la dernière salle. Non, ça, c'est à l'étage, ça. Ah, bah ça va alors. Salon. Salon, c'est pas du tout le même angle, mais c'est pas grave. Pièce ici, pièce là. Ah, j'ai pas pris l'entrée, on s'en fout. Tac, tac. Cuisine, cuisine. Ouais, je m'en fous. Bon, ce sera pas véridique. Hein. Ce sera pas vraiment l'avant-après de telle pièce à telle pièce, mais c'est pas grave. Au bout de 2 heures, je ne sais plus là où j'avais pris les photos. Hein. En vrai... Oui. Il est pressé, hein? Voilà, petit chou! Il est stressé, Caleboun. Oh, et son gosse qui fait la gueule. Oh. Allez, dévoilé. Viens, 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 viens à Saint-Germain. Regardez-moi cette monstruosité. Voilà, c'est le fils de Caleb. Oh, c'est par ici. Ouais, tais-toi. J'aime trop. Bon là c'est pas édifiant mais voilà voilà le boulot est fait. Oh, alors eh hey, regardez cette méga télé, vous aurez même pas assez d'yeux pour regarder tous les pixels. C'est beau hein, vous aimez ça hein, monsieur Caleb. Une grande télé, oui. Oh. Saga, Smego Neebs. Oh. Oberoi. Ah. Je suis pas sûre qu'il aime bien. Pourquoi c'est... Oh, oh. Oula, je crois, je crains le pire. Oh, Polino. Ah, il aime bien la plante. C'est déjà ça. Alors, tu vas... Là, le... Mais attends, t'as frimé tout seul? Moi, je t'ai demandé de frimer que pour une chose, et toi, tu frimes pour tout le reste. Va montrer le ski, là. Comme ça, on aura forcément du bon. Enfin, vous regardez à travers la fenêtre, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, hein. Enfin, j'ai pas touché aux fenêtres, hein. Viens voir. Il y a un paire de skis, toi qui aimes ça. Ah, oh, il a l'air de kiffer. Il m'a donné et fait connaissance et décrire la nouvelle idée. Je sais même pas. Quelle mocheté ce gosse. Ouais, ouais, il est très très laid. Montre les skis, c'est fait. La vue n'a pas changé. Ah, bah non.
Growl. Hein? Droga Melpanka. Je vais demander qui voit le truc de mug. Parce que c'était notre placement de produit. Doba. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oh là là, le moche a dit son avis. Bon, le moche a l'air de kiffer. Mais Caleb, tu vas trop vite. Où es-tu? Il est où? Ah, il est dans le bureau. Ça y est. Oh, il a l'air content! Ah yes! Allez, demande au verdict final. À Calibou en prums, parce que Calibou, c'est Calibou, quoi. Durfna! Oh, Kimbo. J'espère bien que pour 2 heures de temps... Ce n'est peut-être pas ce qui était demandé, mais ça me plaît, j'apprécie vraiment vos efforts, tu te fous de ma gueule? 2 heures pour ça? Je t'ai foutu des skis, il n'y a pas de rose. Oh putain, mais Caleb, fais gaffe, parce que tu vas mourir. T'es peut-être pas t'es peut-être insensible au soleil, mais je vais te cramer la gueule quand même. Thompson et Vaughn. Oh yips. Fletchyoshna. Wou wou. Lui il kiffe. Ah, Weshla. Il est très content. Eh ben écoutez, deux heures de live, hein, 2 heures pour rien récolter comme thune. Néanmoins, parlant de thunes, merci beaucoup, Caroline, pour ton abonnement. Gros bisous à toi. Putain. Maman, elle est triste, Titi. Maman, elle a pas eu les sous dans The Sims Flows. Elle a passé 2 putains d'heures à refaire cette baraque de merde. Moche comme un cul. Un pou, pardon, parce que les culs, ils sont beaux. C'est vous, les culs, c'est vous, c'est moi. Je suis écœurée. Je suis écœurée. 2 heures. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais c'est peut-être... Mais t'as qu'à me donner des meilleurs goûts, enculé de ta race aussi. Oh là là, la vulgaire, qu'est-ce qu'elle est vulgaire, qu'est-ce que c'est pas beau. Oh là là, la malveillante. Oh. J'aime pas le rose. Bah, je t'aurais pas mis du rose, tu sais. Enfin, je sais pas. C'est pas une couleur que je mets tout partout, à chaque fois. Et ton ski et ton snowboard, t'aurais pu te les mettre au fion. Tu m'expliques pourquoi ils sont contents? C'est que lao. Putain de radin. Et en plus il fait la mouche. Il tourne dans tous les sens et il fait oh là là, c'est beau.
Non, arrête, il t'a pas payé. Viens pas chialer, il t'a pas payé. Ça suffit. Tu vas te motiver. Il est où son rejeton dégueulasse là? On va pas laisser ce sang impie ruiner et souiller cette planète. Il est là-bas. Et en plus, il bouffe comme un porc dans ma cuisine. Honte à toi! Oh, c'est même pas drôle, il est déjà mort. Au moins, ils emmerderont plus personne. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, nous, on se tire et on rentre chez nous. Il finit son assiette, c'est exactement ça. Oh non, attends, et le plat de pâtes, moi je l'ai préparé, je le finis. Je suis mort, certes, mais je tiens à mon plat de pâtes. Oh, c'est pas possible. Ah, ça me dégoûte. Oui, Anonymous, je réponds aux commentaires, tout à fait. J'essaye, en tout cas. Et salut, Krusty. Ta-ta-ta-ta. Oh, c'est bizarre, ils sont morts. Mais non, t'inquiète pas, va. T'inquiète pas, mon beau. On t'a vengé. Tu le mérites. Enfin, on t'a vengé et je me suis vengé parce qu'à un moment donné, toi, t'étais en pause, t'es que t'es un tas de pixels qui bougent pas. Moi, je me suis cassé le cul pendant 2 heures pour même pas avoir une pseudo-reconnaissance par putain d'autres pixels de ces morts. Je suis vulgaire, mais tant pis. Comment va-t-elle, qui? Le pauvre, il est endeuillé. Ouais, mais ça va pas durer, ça. Il va y bouffer un sandwich. Ça ira mieux après. Mais ils me foutent un bordel, les deux, là, derrière. Je pensais vraiment pas que tu allais le tuer. Ah, c'est bon, là. Je suis pas la seule à le faire, donc maintenant, c'est suffit. En vrai, c'est le veuf noir, ce gars, quand... Son boulot plaît pas ou pas payé, les clients meurent. Bah attends. Bah bien sûr. Ah, vous êtes des... Vous êtes des potes. Il est en train de... Non mais vous le verrez, là. Hé, hey, Jamie. Tu te sens bien? C'est une calamité, ce chat. C'est calamité. Vous connaissez Calamity Jane? Ben là, c'est Calamity Jamie. Mais... Je vous jure. Et si j'ai pas envie... Déjà, je vois pas de questions. Ou alors c'est que j'ai déjà répondu. Bon, bah écoutez, moi on va s'arrêter là. Il va laver son verre. Ah, bah du coup, c'est pas comme ça qu'on va avoir un meilleur truc, hein. Rénovation de pièces, rénovation de chambre d'enfant, de salle de bain, de cuisine, de dressing, de chambre, rénovation d'étage. C'est mort, ça, j'en veux plus, hein. Eh ben écoutez, eh ben on décidera ça la prochaine fois, parce que là, il va se coucher, et moi aussi. Ça après 2 heures à me casser le cul à refaire une baraque, je vous avoue que je l'ai un peu mauvaise. Donc je vous fais des gros bisous YouTube et on se revoit la prochaine fois, peut-être. Peut-être faire une chambre d'enfant, un dressing, des petits trucs, hein, et pas un truc de 10 mm². Allez, des bisous, reposez-vous bien, enfin je dis ça à moi surtout, à la prochaine.